Écoutons. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now back reprise in de l'audience. The floor is given back la to parole the est à présent rendue to à l'accusation. The questioning on pourra continuer à interroger l'expert. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. J'aurai encore quelques slogans. Thank you, Mr. President. I see how to vous faire décortiquer a few slogans I would like you to decipher this morning before we le change to another line slogan of questioning. The next slogan numéro 148 is number 148 en français et 169 in French and 169 in English. Il dit ceci, une main pour la production, une main pour frapper l'ennemi. A hand for striking the enemy. Est-ce que ce slogan s'appliquait à tout type d'ennemi? C'est-à-dire à la fois aux ennemis extérieurs enemy, that is et aux the ennemis external de l'intérieur. Enemy and the internal enemy. Je vous remercie, Monsieur le procureur, de Thank cette you, question. Prosecutor, for this question. Je ne me suis pas posé cette question I didn't parce que ask myself ça that me question paraît because être essentiellement l'ennemi de l'intérieur, puisque I thought they were referring mainly là, to il s'agit de internal enemy, because here. Bon, ça s'adresse probablement surtout aux en général, bon, à la population dans son ensemble, mais probablement plutôt aux soldats. En fait, ça marque les deux grands axes de la politique soldiers, du Cambodge démocratique, c'est-à-dire multiplier la production par trois, un hectare, trois tonnes, d'une part. Et l'autre préoccupation, c'est dénoncer les ennemis. Hand, évidemment, si on est soldat, c'est l'arrêter et éventuellement exécuter. Soldiers, si on est simple citoyen, c'est rapporter à l'encart qu'il y a un traître parmi nous. Simple, a simple member of the population, they had to report to ANCA that there was a traitor. Le slogan suivant porte le numéro 159 en français. The next slogan is et number 197 en anglais. One il dit ceci, il faut écraser les ennemis vietnamiens à valeur de territoire. Fin and it says the following. We have to alors, dans le contexte Vietnamese de enemies, des années 77 et 78 en particulier, est-ce qu'il fallait comprendre ce slogan comme s'appliquant à tout Vietnamien, quel qu'il soit, c'est-à-dire résident encore au Cambodge ou résident au Vietnam, que ce soit au Vietnam profond ou le long de la frontière, ou encore à des Vietnamiens qui circulaient au large des eaux territoriales cambodgien? Est-ce que ce slogan visait tous les Vietnamiens ou un Cambodian certain type de Vietnamiens en particulier? Did this slogan target all Vietnamese or a specific group of Vietnamese? Voilà, donc ça fait partie des Answer. Catégories de, d'ennemis clairement identifiables. Là, évidemment, les Vietnamiens à valeur de territoire, ça représente les Vietnamiens de l'étranger, ceux qui attaquent. Alors il faut savoir que pratiquement pendant tout le régime, c'est-à-dire dès 17 avril 1975, il y a eu des escarmouches tout le long de la frontière. Et on a beaucoup dit que c'était les Khmer Rouges qui avaient attaqué et détruit des villages vietnamiens par les interviews que j'ai eues, en particulier à Tanakiri. On the Cambodian border, and I saw en lisant la littérature également, les Vietnamiens également rentraient au Cambodge ou refusaient de quitter le Cambodge. Donc il y a eu des problèmes le long de la frontière venant Cambodia, des deux côtés, les deux côtés étant agresseurs so et agressifs.
on both Alors, sides évidemment, of the border. Ce slogan se rapporte essentiellement aux combattants de l'extérieur. Slogan, quant à être à valeur du territoire, c'est quelque chose qui est, comme vous savez, repris depuis des décades, sinon des siècles, parmi les Cambodgiens. J'ai aussi noté, comme je le dis ici, que les minorités ethniques de la Cordillère à la Mythique, du centre du Vietnam, ont aussi traité les Vietnamiens d'un valeur de territoire, puisque l'on Within prit Cambodia, tous les territoires also, autour de Dalat et toute la cordillère. Vietnamese as people who swallowed territory. Il s'agit bien de l'impérialisme des Vietnamiens. This was pas les Vietnamiens à l'intérieur du pays. D'ailleurs, ils étaient très peu nombreux puisqu'ils avaient été expulsés. La plupart étaient des conjoints de Cambodgiens et on ne leur reprochait pas d'être à valeur de territoire. Je vais revenir alors sur cette question plus tard des Vietnamiens de l'intérieur du pays. Le slogan suivant semble lui s'appliquer à des Cambodgiens plutôt. Il est très connu. Le slogan qui porte le numéro 163 en français et 202 en anglais. Je cite une tête vietnamienne, un corps Khmer. A Vietnamese head, a Khmer body. End of quote. Dans quel contexte particulier a-t-on utilisé ce slogan pour viser quel type de personnes parmi les Cambodgiens among Cambodians was targeted? Oui, alors il est connu qu'à la suite des attaques sanglantes qui ont eu lieu en 1976 et 1977, des attaques coup de poing de la part de troupes spéciales formées spécialement le long de la frontière vietnamienne par les autorités du Cambodge démocratique, devant la menace vietnamienne, c'était une menace de contrôle de la révolution cambodgienne. Il y avait deux tactiques, c'est évidemment la discussion, la diplomatie, et il y avait l'attaque, la terreur, la matière forte. Malheureusement pour le Cambodge, la manière forte l'a emporté, donc il a été décidé par la direction de former des troupes spéciales qui devaient pénétrer une dizaine de kilomètres dans le pays et tout tuer sur son passage. Into the territory à la suite and de kill ça, anyone they came les Vietnamiens ne sont pas arrivés à changer la direction du Cambodge démocratique. Donc, ils ont utilisé une autre tactique au cours de l'automne 1977. Ils ont envahi le pays, mais à une grande échelle. On a beaucoup dit que c'était Swahiling et Preveng. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient envahi le pays, en tous les cas, jusqu'à Mondokiri et jusqu'à Cognac, qui était à près de 50 km de la frontière. Donc, il y a eu un premier grand envahissement du pays par l'armée vietnamienne pour donner une leçon à la direction du pays et leur dire mais cessez vos incursions, c'est nous les plus forts. Say, we are the ones invading you. Et ils se sont retirés so au début janvier, early January. C'était début janvier de 1978. 1978. Et à ce moment-là, Pol Pot et la direction Khmer Rouge a proclamé que c'était une grande victoire. Donc le 6 janvier est devenu une date symbolique, une grande victoire de l'armée du Cambodge démocratique contre l'armée vietnamienne. Or, l'armée vietnamienne n'avait pas été vaincue, elle s'était retirée. Et elle pensait que cette leçon suffirait. Et comme les troupes de l'Est de Beaupré, qui étaient à ce moment-là, vous le savez, dirigées par Son Sen, avaient laissé pénétrer dans le Cambodge démocratique très loin, dans le Cambodge démocratique, c'est-à-dire par exemple la province de Takeo, entre Takeo et la frontière, il y a une cinquantaine de kilomètres seulement, et les troupes vietnamiennes avaient pénétré presque la moitié du chemin. Donc ils étaient pénétrés assez profondément dans le Cambodge démocratique. Donc on a considéré
Democratic que toutes Kampuchea. Les troupes so it was considered stationnées à l'est du pays avaient été traîtres puisqu'ils avaient laissé les Vietnamiens pénétrer si loin, et donc on a forgé à ce moment-là le slogan, c'était des Cambodgiens, mais ils avaient une manière de penser, un cerveau vietnamien. Cambodians donc, étaient visés, c'était des Cambodgiens. Donc, ce slogan qui peut paraître anti-vietnamien, au nom de ce slogan, on a tué massivement les Vietnamiens. Et je vérifiais dans mes, Cambodians were killed. Aux purges précédentes qui passaient par le réseau carcéral, essentiellement, là, c'était des massacres. In this case, we are talking of absolute massacres. Celui de Sao Pim est le plus connu, and we know the case of Sao Pim, which is very well known. Tout, so, à la fois here les, we are talking of les appareils massacres civils, of large numbers of les Kamapibals civilians de la région Est and et des soldats de la région Est, dont un certain nombre, and vous the savez, east zone. Ont été amenés à S21, and we know that some mais them ont été tout de suite exécutés. And they were immediately executed. Et puis, quant à la population civile qui était près de la frontière, they were targeting elle a été déportée, the comme vous civilian savez, vers Port Patambang, etc. On the border, donc, they ça were a été transferred to derrière ce slogan. Hein, y a and des massacres it was in the name of this slogan that all these bloody massacres were carried juste out. Une question de suivi de logique à propos question. De ça. Just a follow-up question. Il y a eu question pénétration des forces vietnamiennes, vous l'avez we dit, had sur the penetration of Vietnamese forces une grande portion du territoire. Deep into les forces de l'Est Cambodian territory. We have the forces of the East led by Son Sen, you said. Certaines forces sont arrivées assez proches some de of the troops. Voilà. Province de Takeo. Pourquoi Son Sen et Tamok n'ont pas Takeo été province. Inquiétés? Pourquoi ne leur a-t-on pas appliqué ce slogan? Why did Son Sen and Tamok not apply this slogan, a Vietnamese head and a Khmer body? Lui, c'était. Il était est-ce que vous pouvez recommencer parce que le voyant n'était pas allumé? Ah, pardon, excusez-moi. Please, oui, Son Sen était responsable de l'ensemble de l'armée cambodgienne. I'm sorry. Celui qui Son était responsable, ce n'était pas Tamok. Tamok était responsable army. De la région sud-ouest Tamok was only responsible for the southwest zone. C'est Sao Pim, Sao Pim, it was Sao Pim. Qui était responsable de la région est, et c'est Sao Pim précisément zone, qu'on a accusé de Rakbalyun, clone Khmer. Of alors, being, est-ce qu'il serait suicidé? Est-ce qu'il a été exécuté? Il y a deux versions, on n'est pas sûr, mais enfin, toujours est-il qu'il voulait faire appel à Arexat, d'ailleurs, juste de l'autre côté de Phnom Penh, de l'autre côté du Mekong, il était là. Il voulait s'expliquer avec Pol Pot, et en particulier, ils avaient tout fait pour lutter contre les Vietnamiens, j'imagine, et qu'à un certain moment, on pensait que les troupes traîtres étaient les troupes de Tamok, les troupes Nieredei, donc il allait y avoir une bataille entre les Boupiers et les Nieredei. En fait, cette bataille n'a pas eu lieu, puisque c'est les Nieredei, pardon, les Boupiers qui ont été exécutés. Mais le responsable... c'est la cause, disons, de la chute de Sao Pim et de tous ses acolytes. Sachant que Sao Pim était quelqu'un de très proche de Pol Pot, c'était un ancien Khmer Viet Minh. J'ai su par le neveu Khmer. De Pol Pot, Sam Van, que Sao Pim, comme Roch Nhim, était menuisier, charpentier, et qu'il avait fait des travaux pour la maison de Pol Pot à Phnom Penh, had, pour vous dire donc qu'ils étaient très proches. Pol Pot's house in Phnom Penh, so they were very close. Je reviendrai là-dessus également, mais est-ce que Sao Pim est resté loyal à Pol Pot? Did Sao Pim remain loyal to Pol Pot and also to Nguyen Chia de sa vie? Up to the end of his life. Ben là, il faut lire sa confession. Answer. Ça fait partie des confessions que je n'ai pas lues. Et je pense que la plupart, Von Vett et etc., des hauts dirigeants amenés et Khoi Thun, bien sûr, ils ne complotaient nullement contre le régime et ils étaient fidèles à Pol Pot. Il faut savoir que dans la direction, il y avait, et ça, Deutsch l'a très bien expliqué, les intellectuels et les chefs de région. Qui avait toujours le dessus sur le commandement, c'était toujours les civils. It was always the civilians.
had the upper hand. Donc, in il the faut regions. Savoir que tous les chefs so de région ont été purgés, sauf all the secretaries of the regions were purged. Except pour en finir avec one. Ce slogan, je voudrais lire quelques slogans concernant le clergé bouddhiste. Les slogans français 175, 176 et 178. And it is, et en anglais, 185, 186 et 188. And in French, and toujours in English, votre livre, le petit livre rouge. Alors, je vais les lire and tous les trois en un coup. Of your literate le premier, book. Les bonzes sont des parasites. First, as follows. The monks le deuxième, les bonzes sont des vers intestinaux second, qui rongent la société. The monks are intestinal et le troisième, worms, tu te prosternes devant Bouddha, tu te prosternes devant du ciment. You have to bow before Buddha. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les moines étaient traités de parasites et de vers intestinaux à l'époque, très rapidement? Why were monks considered as intestinal parasites at this time? Très rapidement, là, les Khmers rouges n'ont absolument pas innové. C'est pas une spécificité du tout de la révolution du Cambodge démocratique. C'est, ça vient de Marx, donc c'est la doxa. Please hold on, there seems to have to be a technical problem with the interpretation. Could the prosecutor repeat the question, please? Mr. Prosecutor, could you repeat the question, please? Bien sûr, Madame la juge, j'espère course, que vous m'entendez. Judge, I hope you can hear me. Pouvez-vous now? Donc, Monsieur l'expert, nous expliquer pourquoi Mr. les moines étaient traités de parasites ou de vers why intestinaux the monks were et je vous demandais donc d'être bref pour votre réponse. And intestinal worms. I would like it to be very brief, concise in your answer. Ceci n'est nulle part une spécificité de la révolution du Cambodge démocratique. Ça fait partie de la doxa, c'est-à-dire la croyance fondamentale du marxisme-léninisme. C'est Marx lui-même qui a proclamé que la religion est l'opium du peuple. Donc c'est la transcription dans la rhétorique cambodgienne du dogme marxiste de la religion est l'opium du peuple. Quant dogma, à se prosterner devant du ciment, je crois que je l'ai expliqué dans cement, mes notes sur le slogan. As I said in this slogan, I believe I explained la période du Sankum a été une période de construction slogan. Fébrile the Sankum, de pagodes. Ce fut hélas la période où on a détruit toutes les anciennes period. Pagodes de bois et and de belles peintures. Former pagodas du 19e ou début and beautiful paintings dating back to the 19th and 20th centuries on a fait la même were chose destroyed. Avec les Bouddhas, c'est-à-dire n'étaient plus en bois ou en bronze, dans des matériaux nobles ou en pierre, cement. Mais so ils tendaient à être devenir presque tous en ciment. Voilà, works of donc art c'était, in des, stone. C'était des Bouddhas and en ciment. They, donc c'est considered devant des as cement, Bouddhas in cement. That is what it means. Alors, in this une autre volée de slogan concerne les personnes malades ou another précisément parfois slogan, des faux malades. Ce sont les slogans français 190, 191 et 197 et en anglais 216, 217 et 223. Je vais les lire tous les trois également. I'll read je all cite, three of them les malades sont victimes de leur imagination. Deuxièmement, il faut anéantir secondly, tous les malades imaginaires et les rejeter hors de la société. Et le troisième, les malades n'ont pas besoin de manger parce que la maladie third, coupe l'appétit. Sick do not need to la diète eat vous guérira. Disease deprives one of appetite. Donc d'où venait cette suspicion de la fausse maladie par rapport aux travailleurs qui travaillaient soit dans les coopératives, le terme que vous n'aimez pas, ou sur les grands chantiers. Sick who do not work on the major oui, là, la réponse sera un peu inverse à ma réponse précédente. Answer. My answer is contrary to the la position one. Anti-religieuse est
the anti-religious ben, fondamental position, chez les communistes. Which par is contre, fundamental s'en communists. Prendre aux malades, c'est une spécificité de la However, révolution Khmer Rouge. Dans aucune autre révolution communiste, que je sache, on s'en est pris aux malades. I do not know any other qu'elle était particulièrement cruelle. In which the Sikh alors, were le premier slogan this est vraiment très ambigu et on peut lui donner deux traductions. As for the second slogan, que, sortez Aram, que, ça veut dire malade, sortez Aram, c'est votre mentalité. Aram. Voilà. Alors, ça peut vouloir dire, comme je l'ai écrit ici, it could mean, as I state here, that you are imaginary vous faites semblant patients. D'être malade, mais pas malade. You mais ça peut aussi only vouloir pretend dire, to be sick, you are not really sick. Ce qui ne fonctionne pas chez vous, c'est votre idéologie. Vous avez une mauvaise idéologie. It could also mean that you have a bad c'est ce qu'on m'a ideology. Fait remarquer après. And that is c'est l'avantage what des slogans, I found out c'est comme la poésie, c'est polysémique, ça peut vouloir dire plusieurs choses. It is like poetry. Mais it's pour répondre précisément can mean et many brièvement, things. Excusez-moi, à votre question, c'est ils s'en sont pris aux malades. So des gens, j'ai eu l'exemple, déjà sick. Dans le premier livre de Munson, already un de ses neveux ou beaux-frères, est tombé mort sur le chantier. Et mon dernier slogan, il faut lutter, c'est travailler sans relâche sur le chantier jusqu'à la mort. So they had to work relentlessly and il fallait eventually tellement died of bondir, super grand bond en avant dans la production, qu'on ne voulait pas perdre de temps avec les gens fatigués forward. Ou malades, il fallait qu'ils travaillent so quand même. Et ça, c'est tout à fait spécifique à la révolution du Parti démocratique. And that is something concernant that is very specific to the DK revolution. Les malades n'ont pas besoin de manger parce que la maladie coupe l'appétit, la diète the sick don't need guérir. To eat because disease deprives them of N'est-il appetite. Pas absurde de penser que les malades qui étaient probablement déjà mal nourris ou affaiblis pouvaient guérir en recevant encore moins de nourriture? Est-ce que cela fait partie des absurdités de ce régime de penser cela? Hunger and famine, was that not something absurd? Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Évidemment, I si c'est quelqu'un qui sure est très malade parce qu'il est déjà très sous-alimenté, évidemment, c'est particulièrement criminel. Mais pour quelqu'un qui n'est pas très sous-alimenté, la diète est reconnue, je crois, par les médecins, surtout le repos et le sommeil. Repos, sommeil et diète. Ça fait partie des recettes assez classiques pour hunger. Traiter un malade. Mais c'est vrai que dans le contexte de c'est criminel, puisque ces gens étaient déjà malades précisément parce qu'ils étaient because très sous-alimentés. Comme ils étaient très sous-alimentés, ils ne pouvaient pas résister aux not infections. Fed. And that is why they could not work. Un dernier. Let me end with c'est this slogan, slogan. En français the slogan. Qui porte le numéro 210 and it is, et slogan en anglais 245 qui concerne les English, ennemis. And it concerns the enemy. Je vais vous demander de commenter, nous donner la signification de ce slogan. Like to explain the je meaning cite, of this slogan. Qui proteste est un ennemi, qui s'oppose quote, est un cadavre. Enfin, whoever protests is an enemy and whoever opposes is a corpse. End of quote. Free translation. Oui, si ce slogan a effectivement été prononcé, if this slogan est-ce qu'il a été inventé par la direction uttered, est-ce que c'est un petit apparatchik local qui l'a imaginé a small local nous notez la littération entre Khmang et Khmaut. You can note Khmang, the alliteration c'est between Khmaut, c'est Khmang le fantôme, Khmau. Le cadavre. C'est évidemment absolument abominable, c'est-à-dire ça résume évidemment toute la politique de répression du pays. À la moindre répression, on vous tue. Ça que ça veut dire. Est-ce que c'est un slogan que vous avez entendu question. Plusieurs fois dans le you pays several times in the country? Un slogan qui était courant ou bien c'était... Was it si, common? Si c'était seulement do you recall une personne ou une poignée de personnes qui en ont parlé? Only one person or a handful of persons who spoke to you about it. Quelquefois, je mets une note sur l'origine du slogan. Sometimes mais encore une I fois, comme vous savez, notes on the origin of j'ai commencé the à collecter ça par amusement. Par, as you know, I je pensais pas collected du tout these slogans. Donc, je ne peux absolument pas répondre à cette question.
Mais du point de vue de la rhétorique, il est excellent parce qu'il est très bref. Il y a une alliteration, donc il y a un élément de poésie. Il dit beaucoup de choses en quatre mots. In four words. Donc c'est un bon slogan. So it's a good slogan. Je vais passer à un autre sujet. Question. Il me semble que dans vos ouvrages, into another line of questioning. It appears that in your book, beaucoup consacré de pages à ce qu'était l'état totalitaire. Pages to l'état totalitaire du Cambodge. The totalitarian state. And you Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les éléments qui constituaient, selon vous, le totalitarisme du régime? Alors là, vous me demandez une question très vaste, sur laquelle, universitaire, question. On pourrait faire toute une série de conférences. And je suis sûr que dans les instituts d'études politiques, on parle beaucoup de totalitarisme this, et surtout de comparer le totalitarisme de type nazi et le totalitarisme de type communiste. Je voudrais partir d'une distinction très simple de John Stuart Mill, qui a écrit son fameux « De la liberté » en « Liberté » vers 1860. Et il a distingué la sphère du privé et la sphère du public. Et je trouve que c'est une distinction qui est extrêmement intéressante. Ce qui relève de la sphère de l'État, de l'administration, et de ce qui relève de la sphère du privé et de la famille. Comes under the sous le Cambodge démocratique, une des grandes caractéristiques de l'État totalitaire, c'est que l'État envahit tout. Il n'y a plus de sphère privée. C'est-à-dire, cela veut dire que tout devient politique. Puisque tout appartient à l'État, même un petit épi de blé ou même une banane est propriété de l'État. Even a banana si vous touchez à une banane ou un épi de blé, de berry, pardon, sans la permission de l'État, vous êtes un délinquant et vous êtes susceptible de punition. And you are et ça allait très loin, puisque même la vie and sexuelle, go far, even ils sont allés plus loin que aucun des pays. C'est pour moi, c'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier le Cambodge démocratique, que je m'excuse auprès de mes amis cambodgiens. C'est devenu une espèce de laboratoire du régime totalitaire idéal. Kind of donc, si on a bien compris comment fonctionnait le Cambodge démocratique, on sait ce que c'est qu'un régime totalitaire. C'est-à-dire un régime où une petite poignée d'individus, dans le cas du Cambodge, ce n'est pas un homme, un Staline, ni un Mao, ni un Kim Il-sung, ni même un Ho Chi Minh, mais un groupe de gens. C'est vraiment un cas, c'est vraiment un soviet. Et je crois avoir lu que Pol Pot ne prenait jamais aucune décision sans l'avis de Nguyen Chia. Nguyen Chia aurait dû, après la mort de Thu Samut, être le secrétaire du parti. The former secretary of the pour party, des raisons qui sont personnelles, Nguyen Chia, for personal je ne crois reasons, pas que c'était un très bon orateur. I don't think he was a very good il avait speaker, un visage orator. Un peu sévère, comme vous avez pu le voir very stern, ici au tribunal. As you must have seen il n'avait here pas le sourire charmeur he didn't de have the charming Pol Pot, qui était un bien meilleur communicateur. Who was a lot better. Mais je pense in que terms of communication. Nguyen Chia a été l'ombre de Pol Pot tout le temps. Il a mis en musique les idées qui étaient échafaudées tous les deux, et je pense que aussi Kusumpon a joué un rôle important, puisque dans les sessions de rééducation, c'était les orateurs phares. Hein. Pol Pot parlait pendant des jours et des jours, il était suivi par Nguyen Chia. Et après, c'était Kusumpon. Ceux qui revenaient de l'étranger arrivaient à l'Institut de Technologie, qui avaient des séances de rééducation. L'orateur phare, c'était Kusumpon. During education sessions, ces personnages them, the monopolisaient la pensée.
C'est-à-dire qu'ils avaient même nationalisé la pensée. Il n'y avait plus de pensée individuelle. Thought. Il fallait remettre toute sa personnalité entre les mains de l'Anka. Vous remettiez non seulement tous vos biens, vous remettiez non seulement vos enfants, mais vous remettiez même votre façon de penser. Je crois qu'aucune société au monde n'est allée si loin. I don't think any society in the world went that far. Je vais revenir alors au totalitarisme, mais avant peut-être citer ce que vous dites avoir lu quelque part. But, first, dans votre livre, pourquoi la Khmer Rouge, qui porte la cote E3-10640, sous le chapitre intitulé Locard, in the chapter en français, aux pages 94 et 95, c'est-à-dire IRN 013-03-581-82. Vous avez dit ceci à propos de Pol Pot. You said this about Pol Pot. Le président. Deputy Co-Prosecutor, please, pourriez-vous, s'il vous plaît, again, répéter les ERN lentement cette fois-ci? Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Les ERN en français, donc il n'y a pas de, je crois, de traduction French, de ces pages. There is a translation. C'est 013-03-581-82. En particulier, la seconde page de cet extrait, vous dites ceci. Excerpt, you say this. Les deux personnages, donc Pol Pot et Nunchia, fonctionnaient pour ainsi dire comme les deux hémisphères d'un même cerveau. Ainsi que Nunchia l'expliqua à Sambat Thet, qui au cours des années 2000 deviendra son confident. Et puis vous citez, je n'étais pas le bras droit, vous citez Nunchia. This is Nunchia. Je n'étais pas le bras droit ou le bras gauche I was not de the Pol right hand Pot. Or the left hand nous étions égaux. Pol Pot. We were equal. Pol Pot ne me servait pas et je ne Pol le servais did pas. Not serve me and I did not serve him. Tous deux, nous servions la voie tracée par we le parti. Served the path laid out by the party. Fin de citation. End quote. Est-ce que c'est ce passage-là ou d'autres sources d'informations qui vous poussent is it this à dire or other que Pol Pot of prenait toutes les décisions which avec lead you to Nunchia. Say that Pol Pot took all decisions with Nunchia? Oui, absolument. Answer. Absolument, yes, c'est absolutely. La source. C'est d'ailleurs dans ce livre retenu un certain nombre de pages. Moreover, hein. Je suis très content que vous les ayez citées, mais qui sont à citer. I marked a certain number of pages, and I'm very glad that you have quoted them. Et puis je suis convaincu, sont très vrais, correspondent à la réalité. I'm convinced that these nous avons en plus le témoignage very de Deutsch. True to reality. Je we crois also vraiment have the que testimony là of Deutsch. Dit la vérité. And I think that there, quand Deutsch il dit says the truth. Les deux, il dit les deux oncles, Ampi. He says the two uncles, quand il dit Lanka, Lanka pouvait when he says aussi Anker, bien référer Anker à Pol Pot ou Nunchia. To Pol Pot or Nunchia equally. Et je crois qu'on en a de multiples preuves. And I think that we have on a aussi les déclarations qu'a fait lui-même, j'ai ici we dans mes notes, the statement that I have au Parti communiste my notes de Nunchia lui-même, Nunchia en 1977, said, au Parti communiste du Danemark. Là, je crois qu'il y a des citations qu'on peut faire Denmark, et qui nous montrent que Nunchia était vraiment au commande, que le principe absolu was really in command, était le secret. Et qu'aussi longtemps que la direction restait secrète, elle était imprenable et elle a survécu. And therefore et it was impregnable. Nunchia a joué du secret de manière absolument remarquable. Nunchia, il n'a pas été obligé de prendre le maquis comme tous les autres dirigeants. Hein, il avait une couverture, c'était un businessman, like il avait une couverture, je crois, qui vendait des matériaux de construction. Donc il a pu rester à Phnom Penh jusqu'en 1970, so jusqu'à la chute he was able to stay in Phnom Penh until 1970, until donc il a, réussi à échapper à la police de Sihanouk. Il a réussi à rester dans l'ombre
he succeeded pratiquement in remaining in the shadow throughout almost the entire regime. C'est les Vietnamiens qui ont dit, because it was the Vietnamese who said... C'était Pol Pot, la clique, voilà le par mot. Le mot, la clique, Pol Pot, Yeng Sari. Il n'y a jamais eu de clique, Pol Pot, Yeng Sari. Pourquoi les Vietnamiens ont-ils proclamé que c'était la clique Pol Pot, Yeng Sari? Tout simplement parce que Yeng Sari était vu comme l'homme de Pékin, ce qu'il était en réalité, puisque c'est lui qui était à Pékin de 71 à 75 et qui surveillait Sihanouk, et être sûr que Sihanouk n'allait pas négocier avec la République. Il a suivi Sihanouk tout le temps, et l'a empêché de négocier avec Selim Attaq, Long Boret et les responsables de la République. Donc, ensuite, bon, il était partiellement chinois aussi lui-même. Then, well, à la suite du régime, les Chinois lui ont donné un passeport où s'appelait Sun Hao, presque le même nom que l'ambassadeur de Chine, habillé comme un Chinois. Donc, c'était vraiment l'homme de Pékin. Et really c'était surtout l'homme par lequel les dollars, les millions de dollars qui arrivaient depuis la Chine jusqu'au Cambodge démocratique arrivaient par la poche de Yeng Sari. Comme à cette époque, c'était l'époque de la rupture entre les pro-chinois et les pro-soviétiques, et que les Vietnamiens étaient devenus anti-chinois, anti-maoïstes, et avaient signé un accord spécifique avec l'Union soviétique. Donc, Yeng Sari était la bête noire des Vietnamiens, donc ils ont proclamé que c'était Pol Pot Yeng Sari. Par contre, les deux autres dirigeants, surtout Nguyen Chia et Sun Sen, pourraient devenir les amis des Vietnamiens. Donc on n'a pas traduit, les Vietnamiens savaient très bien que le numéro 2, ce n'était pas Yeng Sari. Ils savaient très bien que c'était Nguyen Chia. Mais ils espéraient peut-être gagner au People's Republic of Cambodia, à la République populaire du Cambodia. Ils espéraient peut-être gagner Nguyen Chia. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas traduit devant les tribunaux. Parce qu'ils n'avaient pas de grand leader. Ils ont trouvé Heng Samrin, qui était quand même un comparse, une personnalité très secondaire. Ils auraient voulu mettre une personnalité de premier plan dans ce nouveau régime. Et d'autre part, Lê Duan, qui à ce moment-là était le premier ministre du Vietnam communiste, se considérait comme l'ami de Nguyen Chia. Nguyen Chia a été aussi formé par les Vietnamiens. Il parlait le vietnamien. C'est lui qui toujours était à la tête des négociations entre le Cambodge démocratique et le Vietnam. Donc, d'ailleurs, nous a dit ici que c'était Heng Samrin qui accompagnait Nguyen Chia dans ces négociations au Vietnam. Donc, il était vu comme l'ami des Vietnamiens. Merci. Je vais revenir maintenant au totalitarisme. Vous avez parlé d'un envahissement total de l'État dans la sphère privée. Tout était devenu politique, d'un contrôle des individus. Est-ce que ce contrôle absolu des individus sous le Cambodge démocratique était exercé au nom du peuple par les dirigeants? Was this announced on behalf of the people by the leaders? Bien évidemment, c'était la rhétorique de tous les pays communistes. Lénine, Staline, qui n'étaient pas du tout d'origine populaire, ni l'un ni l'autre. Mais ils ont proclamé que l'incarnation du... C'est la différence entre marxisme et léniniste. C'est Lénine. Marx, il a dit, c'est les prolétaires qui vont venir au pouvoir. Qui va les représenter? Marx, je crois, ne dit pas grand-chose là-dessus. C'est Lénine qui a proclamé, c'est nous, les semi-intellectuels ou les intellectuels ratés ou des intellectuels qui seront l'incarnation du prolétaire avec un P majuscule. Et Pol Pot s'est refait une biographie en prétendant au Yougoslave qu'il était ouvrier des plantations d'EVA.
Yugoslavia, Pol Pot n'a jamais été ouvrier. Il n'a jamais rien fait de ses mains. D'ailleurs, il était fils de paysans relativement aisé. Et il a eu une vie extrêmement privilégiée, puisqu'il a été élevé par, autour du palais royal. Il est allé dans les meilleures écoles du pays. Donc il n'était absolument pas d'origine prolétaire. Mais il avait dit, comme Lénine, étant donné qu'ils avaient purifié leur cerveau, ils étaient des vrais prolétaires. Donc la révolution s'est faite au nom du prolétariat. Mais c'était complètement une fiction, bien évidemment. Mao Zedong n'était pas spécialement un prolétaire non plus. Est-ce que ce totalitarisme que vous avez décrit s'est mis en place was it du jour set au up lendemain, ou bien progressivement? In just a moment, from one day to the next, or did it happen progressively? L'ont subi à des moments différents selon qu'ils appartenaient au peuple nouveau ou au peuple ancien. Did those who fell under its fell victim to it were they at different times, whether they were totalitarisme the people or the new people? Comme on le sait, answer: dès this totalitarianism le was set up dans les zones contrôlées par les révolutionnaires. Started in the areas controlled by the revolutionaries. Progressivement, la première liberté qui a été enlevée, c'est la liberté de mouvement, la liberté de se déplacer. Movement. People were no longer allowed to move deuxièmement, around, to travel. Second, des déplacements massifs de population ont commencé à avoir lieu dès 70-71. Par exemple, la population de Klaté a été évacuée. For example, the on a dit que les Américains avaient bombardé Klaté. Quand j'étais à Klaté, je m'attendais à avoir une hécatombe de la population. Et on m'a dit, oh, ben non, so il y a eu quelques tués, mais la ville était vide. Bon, all of the people il y a that were eu dead, la ville d'Antassom. No, no, il y a été aussi évacuée. Évacuée, et aussi Tassom a été évacuée. La ville de Udon a été totalement évacuée. Et je crois que Pipoun avait expliqué à ce tribunal que c'était pour protéger la population. Il y a eu la ville de Kampong Cham qui avait été partiellement évacuée. Plus après, la population a pu revenir. Donc, première entrée dans le monde totalitaire, interdiction de circuler. Deuxièmement, déportation. Troisièmement, on organise des équipes de kongsamaki, c'est-à-dire des équipes de solidarité. Ça, c'est pas très méchant. On travaille non plus pas la terre, parce qu'ils ne contrôlaient que des zones agricoles. Pendant la guerre civile, les Khmer Rouges ne contrôlaient aucune ville. The agricultural areas, they didn't évacué. Control donc, any areas except Krache, campagne, which was evacuated. So, on in the countryside, des groupes de solidarité. These groups of solidarity were manger en commun, c'était pas organized. Établi. Communal dans eating lieux, had not yet been organized. Commencé. Perhaps it had mais started ce ont in supprimé, a few places, but what alors, they de terrible, eliminated, c'est la monnaie. Which was quite horrible, was money. Pourquoi ils ont supprimé la monnaie? Parce que la monnaie money? Est un instrument de liberté extraordinaire. Money derrière un bout de papier, tool il y a n'importe quoi que vous pouvez acheter et n'importe quel service paper, que vous pouvez aussi avoir. Donc si vous n'avez plus ce papier, service, vous perdez déjà so toute paper, la liberté. Et vous dépendez complètement de l'apparatchik local qui va vous distribuer de la nourriture, vos vêtements, etc. Clothing, donc, etc. Voilà comment ça s'est établi so that's progressivement. How that was progressively et puis, established. Il y a eu l'évacuation, les évacuations, l'évacuation de toutes les villes, de toutes les bourgades. Alors ça, c'était l'entrée brutale so dans le monde totalitaire. Brutal entry into the totalitarian on perdait world. Toutes ses libertés. On all perdait tous ses biens, toutes ses libertés. All property was lost. Juste un dernier point là-dessus. À partir de quand cette collectivisation a été totalement achevé. When was collectivization quels ont été les effets de cette realized and what were the effects de cette collectivisation y compris en ce qui concerne les repas etc. The collectivization of meals etc. Alors là encore, je reviendrai so, à Munson et son épouse Pali. C'est comme une école, une initiation. Initiation non seulement it's au monde like carcéral mais au monde totalitaire pendant toute l'année 75, c'est-à-dire d'avril à la fin de l'année, so April, trois quarts d'année. Year, on sortait d'une guerre civile terrible.
they were emerging from a horrible civil war, from bombings. De centaines de milliers de réfugiés. Hundreds of thousands of refugees. Et il est certain que de nombreux champs n'avaient pas été cultivés. And it's clear that donc many of the fields had que, not been cultivated. Le riz, contrairement à ce qu'ils avaient affirmé, les Khmer Rouges n'avaient jamais prévu rice, des évacuations. Il n'y avait aucune contrary, réserve de riz nulle part pour qui que ce soit. What they said that they never foreseen the evacuation. They didn't have any rice reserves. Sous le Cambodge démocratique, but il y avait moins à manger. Cambodia, et pourtant, that was the period where they had c'est l'année où personne n'est mort de faim. Pourquoi personne n'est mort de faim? Parce que les gens avaient le droit de forage for food, on dit en anglais, c'est-à-dire rechercher right de la nourriture. Et au Cambodge, qui est un pays tropical, comme vous le savez, Cambodia, on trouve des grenouilles country, partout, you know, we find on trouve frogs everywhere, des poissons partout, you can find on, fish on trouve des légumes sauvages partout. There are wild vegetables donc, everywhere. Bon, on ne mange pas bien, c'était so, beaucoup moins bon qu'avant, mais on survit. Well. It's not nearly as good et as before, personne but we survive. N'est mort de faim en 1975. And no one au moment died of hunger in 1975. Pas beaucoup de nourriture, personne n'est mort de faim. Very little et on food, a dit aux gens, indeed, travailler, no travailler, travailler, on va planter du riz, tout le monde va planter du riz, on va même commencer à défricher des nouvelles terres, on va planter du riz partout. Et cette fois-ci, il n'y a plus de capitalistes. Tout ce que vous plantez, c'est à vous. There are no capitalists. Vous aurez 100% des fruits de votre travail. You will have 100% of the fruits of your labor. Au moment de la récolte, c'est-à-dire en décembre, harvest, vous savez, which was jusqu'au début December, janvier, you know, enfin, en gros, December en décembre, au moment de la récolte, on leur a dit, of January, non, at the time of the vous ne rentrez pas le riz chez vous, oh, no, you're not taking on va this le mettre dans home. Des greniers spéciaux, to put it in special granaries des communes populaires, des collectives, comme on dit en anglais, ou des camps de travaux forcés, ou des bagnes, je ne sais pas comment on peut les appeler, dans ces communes populaires, on va les mettre dans des greniers et à partir de janvier, on va manger en commun. January, voilà. We're alors, going ça, to be eating together. Alors, est-ce que ça s'est passé so partout this is the theory. Au même moment? Now, did this happen at the en same gros, time c'était vers ce moment-là everywhere? Qu'on a établi, I don't know, but it was more or less at this time. Le régime totalitaire. When the totalitarian regime was fully established. Il fallait tous vos instruments de cuisine, so on vous les prenait. Of any types of cooking gros, instruments tout, were collected. Hein? Et, everyone only kept one et spoon. Les gens, de la disette, on est passé de la disette à la famine. And so we went et pendant from toutes les années, well je vais terminer là-dessus, famine. Dans toutes les trois années qui ont succédé, il y a and eu so des récoltes de years, riz fantastiques. There were tous les témoins que j'ai eus m'ont dit qu'on n'a jamais harvests. Produit autant de everyone riz I've talked to au Cambodge. We never produced so much pourquoi rice les gens in Cambodia sont morts de faim as parce we que did l'État, so l'État totalitaire hunger, a pris le riz à la population. Et il n'est pas impossible qu'on ait prélevé jusqu'à 75% des récoltes. And it's not impossible that 75% bon, of the harvest notre président François Hollande a été critiqué que voulant taxer les riches, les plus riches jusqu'à 75%. Bon, évidemment, on ne l'a pas fait. Mais je crois que les Khmer Rouges ont été ceux qui ont taxé la population le plus dans tous les régimes qui ont pu exister au monde. C'est-à-dire qu'on leur a pris peut-être jusqu'à 75% de ce qu'ils produisaient. Almost 75% of what they produced from them as a type of tax. Du fait de l'instauration de ce totalitarisme, y a-t-il eu given the establishment of this totalitarianism, was there also a process of dehumanization of the Cambodian population under this regime? Oui, bien évidemment. Answer, yes. Déshumanisation. Quite clearly, there was a dehumanization. Vous n'étiez plus maître de rien du tout. Because of the fact that no one was master of anything anymore. One was no longer master of the choice of one's spouse. Ou de votre vie sentimentale. Vous n'étiez plus maître de votre vie familiale. Life, vous n'étiez surtout plus maître de votre emploi du temps. De ce most que of vous all, alliez faire you dans had la no journée. Control over the on control of obéir your time, what job, you were going to spend your time doing. You had to obey. Au Khmer Rouge local. The, the local y Khmer Rouge. Sonnait, there was a gong which was sounded très tôt le matin, very long, early in the morning at dawn. Se lever en même temps, everyone had to get up at the same time travail and en même temps, go to work at the same time. Sans manger parce que usually le premier without repas eating que, because the first meal au milieu de la matinée, was only at mid-morning. Et on ne choisissait absolument pas le genre de travail qu'on allait and faire. We did not choose, évidemment, in any case, the type of work we would do. La caporalisation. La militarisation so this was a complete militarization de toute la population of the entire un paysan, peasant par population. Définition, c'est un homme libre.
A peasant, by definition, is a free man. Every morning, especially in Cambodia, he says, what am I going to do today? He's complete. His complete freedom in his use of time. C'est une réduction, comme l'a dit si bien Kipchoge, une réduction, un esclavage one says it was complète. A reduction to complete donc slavery. Dans vos occupations, et puis réduction à votre esclavage dans vos pensées, and dans this vos convictions. So far as an enslavement étiez, of c'est vrai, thoughts totalement and beliefs. Et les gens so there was a complete dehumanization, and people souffert. Were completely pas un ou deux miserable. D'opposants, they comme fully Pol Pot suffered. L'a it wasn't 1 or 2% of people in opposition. As Pol Pot said in his famous speech of 1977, that there are 1 or 2% of the population that we can't convince. It was quite the opposite. There were probably only a couple of soldats qui étaient contents d'avoir le pouvoir. Who were et pleased to have some power pouvoir, and to have all the fruits bien. Of power, so they ate well. Ils avaient, bon, pas beaucoup de liberté, mais they enfin, didn't have a lot of moins, freedom, ils avaient le pouvoir. But at ils least avaient they had power. De vie ou de mort sur, they had the power of life or death over the population. Mais ils représentaient pas plus de 1 but ou 2 they represented not more than 1 to 2% of the population. 88 or 89% of the population were completely dehumanized and extremely unhappy. Lorsqu'un individu question. Ne parvenait pas ou n'acceptait pas de se fondre ou de disparaître dans le collectif, disappear in the collective or to que lui arrivait-il sous ce régime? What happened to him under this regime? Alors, comme tout le monde le sait, answer. So, as everyone knows, si on n'était pas content, il fallait if fermer one les wasn't yeux. Happy, boucher les oreilles one had to close et one's fermer eyes, la bouche. Block one's ears and close one's mouth. C'est-à-dire tenir le profil le plus bas it means to keep the lowest profile et possible, travailler comme une bête de somme. And to work as a beast of burden. Cacher surtout ses pensées, and especially to hide one's thoughts, cacher son origine. To hide et un certain nombre de gens ont assez bien réussi from. À faire ça. There are a certain number of people who succeeded this quite well and doing this mais quite well and they were able to si survive. Vous émettiez le moindre doute, however, ou si vous parliez à votre entourage, there was the slightest doubt about you, or if you spoke your thoughts, or if they knew where you came from, this was beaucoup very dangerous, and it caused to be arrested. Parmi les dizaines many de milliers qui ont arrivé à rejoindre were able to la flee. Frontière thaïlandaise ou la frontière vietnamienne, there were tens of thousands combien, who were able to get combien, to the Thai et certainement or Vietnamese beaucoup border. Plus nombreux sont morts en route. But for all those that made parce it, que les frontières it is clear that many more died trying to do so because des the borders de fuite, la were heavily immédiate. Monitored and the crime of fleeing un was concept, immediate execution. Question. Vous avez beaucoup parlé another dans concept le that cadre you spoke ce, much about in the context of this totalitarian state l'organisation was parti, l'encar. The organization pouvez-vous nous party, dire pourquoi encar. Ce terme a été utilisé et can you tell us why this term was used? À quelle fin quel bénéfice pouvaient retirer les dirigeants du Cambodge démocratique d'utiliser ce terme anonyme take de from using this anonymous name Ankar? Bon, nous avons answer. Plusieurs livres sur l'histoire du Parti communiste du Cambodge. Nous savons que au Cambodia. Cours des décades, l'origine, c'est le Parti communiste you know indochinois créé par Ho Chi Minh. Origin of that was first Ho Chi Minh's creation of the Indo-Chinese Communist Party. Cambodi de DC Cam, sans D le Parti communiste indochinois et sans le Parti communiste vietnamien, il n'y aurait pas eu le Parti communiste cambodgien. Party donc the Vietnamese ça, Communist Party, there would have been no Cambodian ensuite, en 1951, il a été décidé, peut-être à Moscou, it was decided, perhaps mieux, in Moscow, diviser that it was better le Parti communiste indochinois, to divide qui the Indochinese Communist Party, que des which il contains avait pas de Cambodgiens almost et pas only Vietnamese. There were no Cambodians or Laotians. Il y a un parti communiste laotien, un parti communiste vietnamien, un parti communiste cambodgien. And so they divided it et into s'est parties parti des travailleurs the Vietnamese ou and the je ne sais plus, Cambodian c'était pas ce nom-là. Donc le Parti communiste cambodgien a cessé de changer de nom. CPK, donc les militants étaient un peu perdus. Name, so donc ils ont préféré l'appeler simplement l'organisation. Ankar, c'est organisation qui est encore utilisée dans la langue courante aujourd'hui. Used in everyday language c'est pas devenu un mot tabou pour la langue cambodgienne. It has not become a taboo word in the Cambodian language. Ça veut dire Ankar. L'organisation, la société. It means the organization, society. Alors la deuxième question
qui est contenu. So the second question, ça, c'est pourquoi les dirigeants ne sont-ils restés cachés dans l'ombre? Why did the leaders stay hidden in the shadows? Why did they not say, as Lenin or Mao, comme Ho Chi Minh? Nous sommes des grands patriotes. We are great patriots. Nous sommes les leaders, des grands leaders. We are the great leaders. Le grand frère we are du pays. The big Je crois que là, il faut se retourner vers vers Nunchir. I think there we need to qui, pour lui, turn back towards Nunchir. Absolue, for c'était him, le secret. The absolute obsession was secrecy. Le dogme, c'était si on ne and connaissait pas les dirigeants, was, les dirigeants étaient parfaitement protégés. The leaders que s'ils étaient connus, totally à ce moment-là, protected. Ça pouvait devenir if they dangereux, were known, et that toute could la be dangerous. Révolution s'effondrerait. And the entire revolution Alors c'était une tactique certainement très bonne it was a very dans good la guerre tactic civile. Ça leur a très bien réussi. Imaginez Pol Pot quand il a quitté et fait sa longue marche de Ratanakiri à Stangchenit, juste après la chute de Sihanouk, just after en the fall of Sihanouk. En mai, il est parti mai, juin, juillet. He left in May, June, July. Bon, j'ai toute la description de cette longue marche par mon interview avec Pui Poon, puisqu'il l'accompagnait. Il est arrivé à Stangchenit. He arrived at Stangchenit. Pui Poon avait préparé une base secrète à la limite, exactement le long de cette petite rivière Stangchenit, à la limite entre Kampong Tom et Kampong Cham. Just between Kampong Tom and Kampong Cham. Dans la forêt. Just on the border Ils sont there, restés in the forest. Là, mais pendant presque tout le régime. They stayed hein? there Jusqu'au throughout début almost 75, the entire regime, from the beginning of 75. Pol Pot a petit à petit, avec Khieu Samphan d'ailleurs aussi, Pol Pot with also, se sont rapprochés progressivement de Phnom Penh They et closer pour and closer mener to la, Phnom Penh. Bacane, la prise de Phnom Penh. In order to carry out the seizure of Phnom Penh. But they stayed there in 71, 72, 73, 74. Three or four years they stayed there. Un grand congrès du parti en 71. Great party congress Et les Américains ont bombardé, soi-disant. Ils n'ont jamais bombardé la direction de la Rouge. S'ils avaient bombardé Stangchenit, il n'y aurait pas eu de régime communiste. The leadership les, of the Khmer Rouge, if they had bombs at this site, then there would have been a Khmer Rouge. Donc, the Americans were que je vais very poorly terminer, informed, and I'll be concluding here cette tactique du secret too long. So a this très tactic bien of secrecy worked very well civile. During quand ils sont venus au pouvoir, the Civil War. Ça s'est révélé assez but tragique, when they came to power, parce que l'Ankar, it turned out to be qui quite être tragic, because Ankar, et which was supposed to be the symbol of love and affection, à la place, it un became symbol de instead a symbol of terror et de souffrance. And suffering. Donc, ça a été une mauvaise tactique. So it was et a poor tactic. Dû leur dire, c'est pour ça and que the Chinese Pol Pot est sorti de l'ombre said that to them, that's why Pol Pot, at the end of 1977, came out of hiding, came out of the shadows. Peut-être une dernière question avant la pause de midi. Question? Perhaps just one more question before the lunch break. On a déjà parlé du fait que les You already spoke les religions avaient été supprimées. Religions were vous avez dit plusieurs fois dans vos ouvrages que l'Ankar, en quelque sorte, avait pris la place de Ankar Dieu. Had in Qu'est-ce some way vous taken a fait place dire of God? Que l'Ankar What veut made jouer you say pour les Cambodgiens à l'époque Ankar, le rôle de Dieu? For the Cambodians of that era could play the role of God. Alors, voilà. Answer. Dieu, dans les religions, en tous les cas chrétiennes, well, c'est quelqu'un qui incarne l'amour, la bonté, le bien et tout ça, est éternel et est invisible. Good, love, etc. He et is also l'Ankar, eternal and invisible. Avait le même sens and pour les Cambodgiens sous le Cambodgia démocratique. Meaning for Cambodians under Il était le pouvoir, mais un It pouvoir qui se voulait power. Bon. Qui voulait apporter le bonheur, good, le développement, la richesse à tout le monde, qu'il aimait tout le monde, qu'il était le père de tous les Cambodgiens, etc. Mais personne ne voyait et personne ne savait but qui no c'était. Him, no who Nunchir a réussi à rester dans l'ombre jusqu'à la fin du régime, pratiquement. Il n'était connu que de la direction et des gens qui allaient aux sessions de formation à Phnom Penh. Pol Pot, lui, est sorti de l'ombre, comme Pol Pot, on l'a dit, en septembre 1977. Mais la plupart des Cambodgiens n'écoutaient pas la radio but most et la plupart des Cambodgiens
ne connaissaient même pas le nom de Pol Pot. Did not even know the name of Pol Pot. 90% des Cambodgiens, 90% of Cambodians, le 7 janvier 79 ne connaissaient même pas le nom de Pol Pot. On 7th of January 1979, donc c'est resté une identité totalement mystérieuse pour la quasi-totalité de la population. Identity for alors pourquoi the ce great côté religieux? So why this religious side? Because comme je décris ça, je pense, dans certains de mes écrits, party, and I think that I en particulier this, la fête de la prise du pouvoir, in le, particular, le 7 avril, in the taking ou of power la fête on the 17th of de la création April, de l'armée, de la révolution de l'armée populaire en janvier, the creation ou of the la fête du parti en, popular en, army, en septembre, fin septembre, début octobre, or the party y avait des rituels September, beginning qui, October, there qui were s'apparentaient à des rituels religieux. And pour figurer were similar to religious bon, il y avait l'Anka qui était le dieu, et ces saints, so Ankar, ces saints, ou ces dévodas, étaient saints, les, ceux qui étaient morts pour la patrie, c'est-à-dire les soldats, les guerriers qui étaient morts pour la famille. So, et j'ai eu la description de catafalques, c'est-à-dire de, qu'on mettait sur une scène et qui figurait, so qui était le symbole de ceux qui étaient morts pour la patrie. Representing les, those comme who died les saints qu'il fallait imiter, qui avaient donné leur vie pour la révolution. Donc il y avait, on célébrait donc le dieu, so le les dirigeants du parti, on célébrait les saints, God, ceux qui étaient morts pour la patrie, il y avait des chants, des slogans, des chants comme there dans une songs, religion, slogans, et, were, des discours qui étaient faits comme des prêches. Made, hein, on a souligné que ces discours ressemblaient à des prêches bouddhistes. Ça a été souligné par Philip Short, par Philip Short mentioned that these songs, Ian Harris, enfin, un certain nombre de gens, Ian Harris also mentioned ils ont emprunté like la rhétorique these, des moines bouddhistes Buddhist pour parler pendant des heures indéfiniment. Donc il y avait un côté religion. So donc il ne pouvait exister qu'une seule religion, there c'est could la religion only be one du religion, parti avec un P majuscule, and that is the religion of the à l'exclusion de toutes les autres religions. To the exclusion of all other religions. Le président. Thank you, and thank you, Mr. Merci expert. It et merci à vous, Monsieur l'expert. Le moment est venu d'observer une pause afternoon. Pour le déjeuner. Les débats reprendront à 13h30 ici d'audience. Veuillez vous occuper de l'expert pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour 13h30. Agent de sécurité, veuillez conduire que Sampan à la salle d'attente du sous-sol et le ramener dans le prétoire cet après-midi pour 13h30. Suspension de l'audience.